Thank you.
Thibaut Enrico Tam, s'il vous plaît. Monsieur Serge Esler, Jean Lucas, Édouard Serre-Guillaume, Julien Soreau, Guillaume Mius, Adrien Delfed, Tam de Villiers, monsieur Christophe Rigger, monsieur Jean-Louis Marchand, je m'appelle Stéphane Charlet, nous sommes Osma, merci mille fois. Merci, 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 merci. J'en profite pour remercier l'équipe technique qui nous a accueillis ici toute cette semaine avec une générosité et une patience sans nom. François, Nicolas, Arnaud, remerciez-les. Il y a Benoît aussi qui nous a permis d'avoir un enregistrement pour cette belle captation que Valentine a imaginé faire et a décidé de faire, même si ça coûtait de l'argent. Il y a Juliette qui est avec nous, il y a évidemment l'équipe incroyable, la compagnie Tangram qui porte les projets d'Osma, Estelle, Julie, Clémence, enfin, tous ces gens que vous ne voyez pas, c'est grâce à eux. Donc. On en a un petit dernier pour vous, mais il va falloir se lever, je crois. Je raconte l'histoire. Je crois qu'on l'a jamais racontée. On était en... C'était où ? C'était au Zimbabwe. On a joué un soir de coup d'état, enfin un coup d'état au Zimbabwe. Et on nous a interdit de jouer. On nous a dit, le Quai d'Orsay a appelé, n'y allez pas, c'est trop dangereux. On était avec un monsieur qui organisait le concert. Il dit, il n'y a pas de problème, on y va. On a fait le concert. Et après, on est allé en boîte. Et c'était fou. Et ce morceau s'appelle One Night in Bulawayo. Et c'est ce souvenir-là.